Non, ce n'est pas une simple mascarade. C'est un comportement criminel. On ne peut pas être démocrate et détruire, je dirais incendier, le temple de la démocratie. Lorsque vous venez incendier le temple de la démocratie, ça voudrait dire que vous-même, vous êtes antidémocratique. Vous ne pouvez pas être un modèle de société en se comportant ici. C'est ici, au CND, qu'on doit venir discuter des problèmes du pays. Lorsqu'on vient incendier le CND, ça voudrait dire qu'on se met en marge de la République, on se met en marge des institutions. On ne peut pas, n'est-ce pas, bénéficier de l'appréciation du peuple. Nous sommes là depuis 90. Et depuis 90, nous, dans l'opposition responsable et républicaine, nous n'avons jamais cassé les institutions. Nous n'avons jamais cassé les institutions. Je parle ici au nom de la mémoire de M. Pierre Mamboundou, qui était un républicain, grand leader politique. Vous n'avez jamais vu ce leader envoyer quelqu'un aller casser les institutions. Je voudrais parler de Yonaba. Je voudrais parler d'Awondio Kawé. Je voudrais parler de Mbabe Solo, qui ont régné dans ce pays en tant que leader de l'opposition, mais n'ont jamais envoyé des jeunes aller saccager les institutions. Lorsqu'on se comporte comme ça, je ne cesserai jamais assez de le dire, on est à marge de la République, on est antidémocratique et on est criminel. Mettre le feu au CND, ceinture de notre démocratie, relève du pur, du vampirisme et du voyoutisme politique. Aujourd'hui, les masques sont tombés. On connaît réellement les motivations profondes de leurs commanditaires. Il appartient maintenant à la communauté internationale et à l'opinion internationale d'en prendre acte. Parce que ici, c'est ici qu'on discute les problèmes de démocratie. C'est le débat interne qui doit nous habiter. Envoyer les jeunes dans la rue, c'est vraiment inadmissible. Personne ne peut accepter cela. Notre pays est un beau pays. Nous devons préserver cette liberté-là et cette paix. Merci.